reborn. Bonjour les reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire, Dieu merci. Grâce à Dieu, nous sommes en vie. Merci Seigneur pour tout. Cette semaine, le diable m'a beaucoup attaqué. Il m'a attaqué d'une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Il m'a encore attaqué dans plusieurs dimensions. Mais la dimension qui m'intéresse et dont j'ai envie d'en parler ici, c'est cette dimension-là. La dimension qui concerne la femme. La femme. Ce genre de femme qu'il faut éviter. J'ai rencontré ces femmes-là cette semaine et j'ai vu à quoi elles ressemblent et ce qu'elles sont capables de faire dans la vie d'un homme. Et moi, je fais cette vidéo juste pour vous prévenir du danger. Juste pour vous dire qu'il y a un danger réel. Mes frères et sœurs, ne laissez point entrer chez vous la femme qui laisse entrer à son tour le serpent. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut vous dire? Je dis, ne choisissez jamais une femme qui laisse entrer le serpent chez les hommes. Maintenant, vous allez dire, mais c'est qui le serpent? Le serpent, c'est tout ce qu'il y a de plus mauvais. Le serpent, c'est le malheur. Le serpent, c'est la malédiction. Le serpent, c'est un ennemi. Ce serpent représente tous les ennemis de votre vie. Du passé, du présent et du futur. La parole de Dieu nous dit que le diable rôde comme un lion, c'est ça qui va dévorer. Mais il peut aussi passer par quelqu'un. Et les gens par lesquels le diable passe le plus, ce sont les femmes. Quand vous êtes un homme, c'est que ce sont les femmes que le diable va utiliser contre vous. Quand vous êtes une femme, c'est que ce sont les hommes. C'est vice versa. Mais je me concentre plus sur les hommes parce que je suis un homme quand même et je vois les réalités. Je peux ressentir ce que ça fait parce que je vous l'ai dit, j'ai été attaqué cette semaine par le diable et ces gens de femmes. Vraiment, faites attention. Faites vraiment très très attention. La femme qui laisse entrer le serpent, méfiez-vous d'elle. Je vais prendre un exemple très simple. Dans le jardin d'Éden, il y avait qui? Qui était là-bas en premier? C'était Adam, non? Bien. Maintenant, Adam, quand il était seul là, est-ce que vous avez entendu un jour, ils ont dit que, oh, il y a un serpent ici, il y a un serpent là, ou bien il y a un serpent quelque part? Non. Il a fallu que la femme soit créée. Dès que la femme a été créée net, on lui a donné un nom. Et le serpent aussi est apparu. Et ce serpent a eu le courage de venir s'approcher de cette femme, de Ève. Quand le serpent s'approche de Ève, c'est qu'il a découvert quelque chose en elle que lui peut exploiter. C'est cette chose-là qu'il a découverte là. C'est cette chose-là qui est dangereuse pour l'homme. C'est ce qu'on appelle laisser faire, laisser entrer. Et les femmes aujourd'hui, on peut les séduire facilement. La deuxième femme, c'est difficile qu'on puisse les séduire. Quand une femme, on peut la séduire facilement, c'est un danger total. C'est très dangereux. Une femme qui n'est pas sérieuse, une femme qui s'offre à tout le monde, elle est un danger pour son mari. Il sort même le travail, même il a peur. Parce qu'il ne sait pas ce qui se passe à la maison.
C'est ce qu'on appelle la femme qui laisse entrer les serpents. La femme qui laisse entrer les serpents, c'est d'abord une femme sorcière. Une sorcière. C'est-à-dire qu'elle a déjà des attitudes déjà disposées pour que le diable puisse l'utiliser pour travailler. Maintenant, vous, quand vous avez la voix d'ailleurs, vous ne saurez pas que c'est une femme sorcière. Et vous allez aller la prendre. Vous allez aller la mettre chez vous. Elle va s'accrocher à vous. Elle sera là. Et pendant que vous ne serez... Pendant que vous ne serez pas là, hein, elle va ouvrir la porte de votre maison à tous vos ennemis. En fait, à ce serpent. Ce serpent que le diable. Afin que ce serpent puisse venir jusqu'à dans votre chambre. Puisse venir jusqu'à dans votre chambre. C'est pourquoi il vous dit, méfiez-vous de qui vous faites entrer dans votre vie. La fille que vous avez rencontrée là dehors, que vous avez aimée parce qu'elle est jolie, vous la prenez, vous l'amenez à la maison. Elle a son tour. Elle va utiliser votre clé, la clé de votre maison. Ouvrez votre porte du salon. Non, ouvrez d'abord votre portail. Ouvrez la porte du salon. Ouvrez la porte de votre chambre. Et fait entrer le serpent sur votre lit pour que le serpent puisse s'asseoir là-bas. Et le serpent, c'est le diable. C'est-à-dire qu'elle, c'est elle qui va ouvrir la porte à tous les sorciers de votre pays, chez vous. À cause d'elle, les sorciers peuvent même choisir votre maison comme un lieu de rencontre des sorciers. Vous n'allez pas dormir la nuit. À chaque fois que vous voulez vous endormir, vous sentez une présence bizarre dans la maison. Vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Cette affaire peut aller loin. Ça peut aller vraiment très loin. C'est là que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Il dit que dès que tu détectes la présence de la sorcellerie chez une personne, à ce moment, tu commences à te méfier de cette personne. Si c'est une fille ou une femme que tu as vue dehors, comme ça, de passage, il ne faut jamais aller l'aborder ou lui dire quoi que ce soit. Puisque tu as déjà détecté l'esprit de la sorcellerie chez elle. Parce que ça se sent. Ceux qui sont habitués peuvent sentir cela. Une fois que tu as détecté ça, il ne faut pas dire, ah, tu vas aller prier pour elle pour qu'elle soit délivrée ou bien elle va devenir une chrétienne. C'est plus possible. Nous sommes en 2021. On va bientôt entrer en 2022. C'est plus possible. Tu ne pourras pas y arriver, surtout si tu l'aimes. Une fois que tu aimes de telles femmes qui laissent entrer le serpent dans la maison des gens, une fois que vous l'aimez, vraiment, elle va faire de grands dégâts dans votre vie. Et vous allez les reconnaître par des signes. Ce sont des gens de femmes qui aiment beaucoup faire dépenser les hommes. Elles s'intéressent aux futilités. Et elles ne sont pas des coefficients multiplicateurs. C'est-à-dire, avec elles, tu vas sentir ces gens des signes que je viens de dire. Tu vas sentir que tu dépenses plus que tu en amasses. Elles seront quand tu te crées des problèmes à gauche et à droite. Mais en même temps, qu'elles te sucent, elles te souffrent. Elles te souffrent avec son amour pour toi. En guillemets. Toi, si tu l'aimes. Là, elle joue avec ton cœur. Elle va jouer avec ton esprit. Elle va te mettre KO. Quand tu seras KO, tu auras l'impression que vous ne vous êtes jamais connu. Parce que c'est à ce moment-là, tu verras qu'elle est. Elle va te laisser pour aller prendre un autre homme. Et elle continue son chemin. Adam, il a rencontré cette femme serpent. Non, il a rencontré cette femme. Il ne savait pas qu'elle était comme ça. Elle a laissé entrer le serpent. Et comme il avait confiance en elle, il a moyen de le fuir. Voici le problème dans lequel ils sont. Si toi tu sais que tu as du mal à résister aux femmes, prie pour que Dieu te donne une bonne femme. Parce que si tu laisses entrer le serpent chez toi, quand le serpent va venir donner des instructions à cette femme que tu vas prendre, et qu'elle se va te soumettre ses instructions, que tu vas obéir. C'est le malheur seulement qui va t'arriver parce que
elle va t'éloigner de la volonté de Dieu. Et c'est là maintenant, tu vas voir des problèmes par-ci et des problèmes par-là. Trouver une femme qui a le Saint-Esprit, c'est rare de nos jours. La majorité des filles que je rencontre sur mon chemin, même que j'ai rencontré ces temps-ci, elles ont l'esprit du serpent, l'esprit de la sorcellerie. Allez, vous les voyez? Elles sont très belles, attirantes, croquantes, et elles sont les premières à venir séduire les hommes. Elles se disposent d'une manière que vous puissiez les voir, mais ça ne vaut pas la peine, parce que leur esprit est déjà gâté. Elles sont des sorcières. Ne vous approchez pas d'elles. Ces gens de femmes, ce sont des femmes qui font dépenser les hommes. Tout ce que vous essayez d'entreprendre à elles, ça ne marche pas. Même si vous lui donnez de l'argent pour investir dans un business pour qu'elle puisse faire, ça ne va pas aller quelque part. Parce que elle est une sorcière. Et elle sait dans quoi elle est. Son objectif, ce sera de vous ruiner. Son objectif, ce sera même d'envoyer vos ennemis chez vous. Ceux que vous ne voulez pas voir parce que vous en faites du mal. Ce sera de l'envoyer dans votre maison. Leur donner les plans de votre maison. Leur donner vos programmes. Quand est-ce que vous rentrez à la maison? Quand est-ce que vous sortez? Parce qu'elle est entrée chez vous. Elle est assise chez vous. Elle dort même sur votre lit. Vous couchez même avec elle. Que voulez-vous? Elle connaît maintenant tout. En fait, si vous lui avez tout dit, quoi. Si vous l'avez tout dit comme Samson, ce sont des gens de personnes. Il ne faut jamais ouvrir son cœur à elle. Sinon, ce sera le problème. Faites attention. Elles sont nombreuses dehors. Elles sont vraiment nombreuses. Je les ai vues. Surtout ces temps-ci. En période de fête. Elles sont en train de chercher qui elles vont escroquer. Qui est à vous sucer. Faites très attention. Ok. Je vous envoie pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, réagissez et je vais tenter d'y répondre. Soyez prêts. Waouh! Merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un paiement bancaire pour soutenir notre bon, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanse Bonne 3. Avec Nyanse Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nyanse Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.